confirme. Voilà, voilà. Donc moi, donc tu reconnais quand même tes propos pour faire traiter les gens de aller les bamboula, mettre aller allez les bamboula, allez les marques. Mettez-vous en fil, on va vous fumer. Non, tu reconnais, non, faut reconnaître. Ça oui, c'est non. C'est une question fermée, c'est une question fermée. Ouais, c'est une question fermée. Parce que jusque là, on est poli, on est gentil. Faut pas commencer nous prendre pour des idiots. Jusque là, on est poli et gentil, hein. Parce que hein. Moi, je suis pas né à Grassolone, je suis né à Angili. Donc, on est là, on est poli et gentil. Continue pas. Quand j'ai commencé à blesser une personne, j'ai dit, tu vois, on va faire une fille d'arabe, une fille de guerre et une fille de. C'était pas méchamment. Oh, mais dis le terme. Dis le terme. Dis le terme. Dis le terme. Pourquoi tu essaies de. Tu enjolives les choses là. Dis le terme. Ouais, dis le terme. Ouais, dis le terme. Et je tenais vraiment à m'excuser d'avoir utilisé ce terme-là. Le terme macaque et bamboula. Oui ou non? Mais même macaque, pas toi sur macaque. C'est quoi un macaque? Un macaque est un singe. On a tous un personnage géographique. Pourquoi à la limite, insulte-moi le bamboula, mais pas de macaque. Deux macaques. Les deux, de toute façon, les deux. Les deux, c'est pareil. J'ai dit singe, mais pas gros. Non, c'est trop facile. Elle s'est excusée parce qu'elle a senti la pression, tu vois. Elle a senti la pression. En plus de ça, elle a commencé à menacer des gens. Ouais, genre, si vous faites des actions, je vais vous virer. Mais t'es qui, toi? Déjà, tu peux pas virer quelqu'un quand il y a des bails de racisme, parce que sinon, toute ta boîte, elle saute, tu vois. Et vu que maintenant, elle a vu que c'est chaud, et que voilà, nous, on va taguer, on va envoyer des lettres à qui de droit, mon moto, tu vois. Et moi, je lui dis clair, je dis, tu vas virer personne. Et voilà, on lui a mis des pressions, et voilà, maintenant, on va continuer les actions. Hein. Inge, t'as toujours, hein. Parce que les autres négros qui étaient là-bas, ils veulent pas soutenir la cause, tu vois. Parce qu'ils sont en train de rêver pour leur taf, tu vois. Ouais, nous on a des tafs et compagnie, on a des maisons à payer. Comme si nous ici on était tous locataires et qu'on avait rien à payer, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on est descendu. Et nous on exige des excuses publiques. Parce qu'en 2019, tu peux pas te permettre de traiter des noirs de macaques et t'en sortir comme si de rien n'était. Attends, on est où là? On est où? Non, c'est pas normal, tu vois. Et c'est pour ça que nous, on est monté au créneau. Hier, on est parti, mais apparemment, hier, moi, de ce que je sais, c'est qu'il y a un gars à nous, je veux pas citer de nom, parce que voilà, ça sert à rien, mais il y a un frangin que nous, on a appelé de notre côté, qui a prévenu là-bas, et là-bas, on l'a prévenu, et hier, elle s'est pas pointée, tu vois. Et comme par hasard, apparemment, hier, elle a appelé le matin pour dire que, ouais, genre, je viens pas, tu vois. Et c'est ça un peu le délire. Et aujourd'hui, t'es au Kangye. Hier, on était une petite dizaine, quinzaine, aujourd'hui, on était une vingtaine, et on a parlé. On l'a parlé, et voilà, on va amener l'action jusque où est-ce que ça ira. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, tu peux pas commencer à traiter les gens de macaques, de bamboula, et puis t'en sortir, et puis là, commencer à vouloir avec des...